Et bonjour chers amis du Festival Kibdo Africa, ici Lucas Silva, réalisateur du film Rhapsody Noir, Rhapsody Negra. Vraiment, je suis très content pour le prix que vous m'avez décerné de meilleur documentaire. Vraiment, je suis super, super content parce que c'était un travail très long. Vraiment, j'ai mis une dizaine d'années à faire ce film. Le protagoniste du film, il est mort en 2009 pendant qu'on était en tournage. Et donc, on n'a pas pu continuer à faire quelques petites choses qu'on voulait avec lui. Mais pour moi, c'était un honneur de partager un bout de ma vie avec Alfonso Cordero El Brujo, un vrai griot de Afro-Colombien, un vrai griot de la diaspora africaine en Amérique latine. Et donc, pour moi, ce film, c'est aussi un apprentissage très fort, très profond auprès d'un griot comme tel. Donc vraiment, ce film représente pour moi tellement les moments les plus précieux quand j'ai pu approcher cette personne avant qu'elle meure, etc. Et qu'il nous laisse une mémoire pour le monde entier sur l'histoire de Afro-Colombia, lié bien sûr aux ancêtres en Afrique. Et donc, vraiment, je suis trop content. J'espère y aller l'année prochaine à votre festival et je vous félicite pour cet effort, car nous devons tous bosser pour que la culture, le cinéma et l'histoire nous unissent entre l'Afrique et sa diaspora, surtout en Colombie où je suis actuellement. Donc, je vous envoie tous mes encouragements et je vous envoie toutes mes salutations à tous les amis de Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. Et voilà, depuis la Colombie où vraiment vous êtes très importants pour nous tous. Merci beaucoup, merci, bénédiction et que le cinéma continue. Merci beaucoup.